Bien quoi. 40 copies sont entassées et attendent d'être corrigées. Je m'arme de mon stylo vert, mon stylo rouge et de patience et me prépare à être sévère, à leur faire quelques remontrances. J'ai bien préparé mon barème de points pour la présentation. Coefficient 3 tout de même, bon ben j'entame la correction. Cette écriture est illisible, je ne peux même pas lire le prénom. Dans la marge, note impossible d'évaluer cet ignoble torchon. La deuxième, c'est copie blanche, ça m'épargne du boulot. J'imagine l'élève qui flanche quand il recevra son zéro. J'ai bien préparé mon barème de points pour la présentation. Coefficient 3 tout de même, bon ben j'entame la correction. J'ai déjà les nerfs en pelote, cela ne va pas s'arranger. La troisième est pleine de fautes, là ça commence à m'énerver. Le quatrième, planter de leçons. Le cinquième, planté de voisins. Le sixième a tout copié, mais c'était pas le même sujet. J'ai bien préparé mon barème de points pour la présentation. Coefficient 3 tout de même, et je poursuis mes corrections. Je me lance désespérément à la recherche d'une bonne copie, mais je n'en trouve malheureusement aucune, et ça m'anéantit. Je regarde encore le paquet, qui n'a presque pas diminué, et j'en suis à me demander si mes cours ont utilité. J'ai bien préparé mon barème de points pour la présentation. Coefficient 3 tout de même, je frôle de pied la dépression. Je pète un câble et je décide, sur un coup de tête, tout balancer. Ces interros sont un suicide, j'en ferai plus, c'est décidé. C'est pas l'automne, mais c'est tant pis. Les feuilles mortes tomberont quand même. Bon, ce n'est pas une plaisanterie, tout va passer par la fenêtre. J'avais préparé mon barème de points pour la présentation. Coefficient 3 tout de même, mais va faire l'interrogation. J'avais préparé mon barème de points pour la présentation.